À la redécouverte des trésors spirituels de l'Afrique, les saints qui ont marqué l'histoire. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne préférée. Nous sommes heureux d'être encore avec vous dans ce nouveau numéro de votre rubrique à la redécouverte des trésors spirituels de l'Afrique, les saints qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous parcourons ensemble l'histoire fascinante d'une jeune fille qui a ébloui son entourage par sa foi chrétienne, par son courage jusqu'au martyre. Il s'agit de la bienheureuse Marie Clémentine Anuarite Nengapeta. Anuarite Nengapeta est née le 29 décembre 1939 à Wamba, en République démocratique du Congo. Elle est d'une famille de tradition animiste et quatrième d'une famille de 6 enfants, tous des filles. Son nom, Nengapeta, signifie en langue boudou « la richesse trompe » et Anuarite, un nom qu'elle reçut lors de son inscription à l'école sous le nom de sa sœur aînée qui l'avait accompagnée. Nengapeta est baptisée en même temps que sa mère et elle choisit comme nom de baptême Alphonsine. Elle rentra très jeune à l'âge de 16 ans au couvent de Bafouabaka dans la congrégation diocésaine des Sœurs de la Sainte Famille malgré l'opposition de sa mère. Le 5 août 1959, elle fit ses premiers vœux avec le nom de Sœur Marie Clémentine. Anuarite n'était pas parfaite. Elle avait une intelligence moyenne. Les études lui demandèrent beaucoup d'efforts. Elle avait également un tempérament nerveux. Elle s'emportait parfois. Cependant, elle fit des progrès. Tout au long de sa vie, en effet, on la sentait désireuse de dépasser ses limites et de dominer son caractère. En 1964, les Simba firent éruption à Bafouabaka sous le prétexte de les défendre contre les Américains. Embarquaient toutes les sœurs, elles étaient 34 religieuses africaines pour les amener à Wamba. L'explication donnée aux sœurs pour ce déplacement forcé était qu'il fallait les amener dans un lieu de sûreté. Mais en cours de route, le camion changea de direction et amena les sœurs à Isiro. Le voyage fut extrêmement pénible, plus particulièrement lorsque, à un arrêt, les soldats obligèrent les sœurs à se séparer de tous les objets de piété et chapelets. Ensuite, il fut piétiné au milieu des paroles et des gestes obscènes. Ces objets de piété et chapelets. Cette nuit-là, toutes les sœurs sauf Anuarite furent amenées dans une maison, la Maison Bleue. Un des chefs des Simba, le colonel Ngalo, essaya de convaincre Anuarite de devenir sa femme. Saisie de peur, mais courageuse, elle refusa catégoriquement. Pendant ce temps, les autres sœurs étaient dans la Maison Bleue, refusaient de manger à moins que leur supérieure ne soit présente. Le colonel Olembe, prenant avec lui les sœurs Banakweni et Marie-Lucie, et vint présenter la situation au colonel Ngalo, qui à son tour sollicita son aide pour séduire Anuarite. Le colonel Olembe, très sûr de lui-même, accepta d'aider le colonel Ngalo. Le colonel Olembe s'approcha alors avec un groupe de Simba et ordonna aux sœurs d'aller dormir. Il accepta qu'elles dorment dans la même chambre à condition qu'Anuarite reste. Très troublée et inquiète, Anuarite demande alors à la mère supérieure de prier pour elle. Olembe essayait encore de convaincre Anuarite d'être la femme du colonel Ngalo. Puis, il changea d'avis et voulut lui-même avoir Anuarite. Suite à ses refus catégoriques, il se mit à l'insulter. Mais Anuarite répliqua avec un air de défi. Puis, Olembe fit entrer Anuarite et la sœur Jean-Baptiste de force dans une voiture. Anuarite tenta de fuir, suivie de la sœur Jean-Baptiste, quand le colonel alla chercher la clé de contact dans la maison. Mais il les rattrapa et une lutte féroce s'ensuivit. Les mères Léontine et Mélanie, qui regardaient la scène, demandèrent au colonel Olembe d'avoir pitié des deux sœurs. Mais le colonel, furieux, leur dit de se taire. Le colonel Olembe se mit alors à frapper les deux sœurs sans pitié. La sœur Jean-Baptiste tomba évanouie, le bras droit cassé à 3 endroits. Mais Anuarite continuait à résister courageusement, répétant qu'elle préfère mourir plutôt que de commettre ce péché. Ces mots rendirent le colonel encore plus furieux. Il prit celle-ci de force, la roua même de coups, mais en vain. Elle demeure insensible à ses arguments. Pris d'une nouvelle fureur, Olembe appela des Simba à son aide et donna l'ordre à 2 d'entre eux de percer Anuarite de leur baïonnette à plusieurs reprises. À travers les coups, sœur Anuarite eut la force de lui dire « Je vous pardonne, car vous ne savez pas ce que vous faites. » Puis, Olembe prit son revolver et lui tira une balle dans la poitrine. Peu de temps après, le colonel Olembe sembla se calmer un peu et il dit aux sœurs de venir prendre le corps d'Anuarite qui respirait encore faiblement. Celle-ci vécut encore quelques minutes avant de rendre l'âme à environ 1 h du matin, le 1er décembre 1964. Anuarite fut enterrée dans une fosse commune avec d'autres condamnés exécutés par les Simba. Cependant, 8 mois plus tard, on déterra son cadavre pour l'enterrer avec toutes les honneurs dans le cimetière près de la cathédrale d'Isiro. En 1999, elle devient la première femme congolaise à être élevée au rang des saints par l'Église catholique. Le procès de béatification d'Anuarite fut officiellement ouvert le 13 janvier 1978. Le 15 août 1985, le pape Jean-Paul II la proclama bienheureuse à Kinshasa lors de son voyage au Zaïre, le nom d'alors de la République démocratique du Congo. S'associant au pardon accordé à son meurtrier par la religieuse, le pape Jean-Paul II lui a également accordé le pardon au nom de l'Église. Sa fête a été fixée au 1er décembre, jour d'anniversaire de son martyr. À cette occasion, elle a été déclarée martyr de la pureté et le pape s'est associé au nom de l'Église au pardon accordé au meurtrier par la sœur. L'assassin était présent dans la foule. Elle a préféré mourir martyr pour préserver sa pureté. c'est notre modèle. Elle a ainsi donné la preuve d'un amour suprême de Dieu qu'elle a placé au-dessus de sa propre vie. La béatification d'Anuarite, fille de notre race, constitue une grande grâce pour l'Afrique. Cela nous montre clairement que Dieu appelle tout le monde à devenir saint. Voilà, chers frères et sœurs, en quelques mots, ce que nous pouvons retenir de la vie de notre sœur Anuarite. La véritable question qui se pose à nous aujourd'hui, sommes-nous prêts à devenir des martyrs de la pureté, surtout dans notre monde actuel, où ce qui était valeur n'est plus valeur. Ce qui était immoral devient moral. Toi mon frère, toi ma soeur, n'aie pas peur et n'ayons pas honte de clamer haut et fort notre foi et d'accepter même de donner sa propre vie pour le Christ afin d'accéder à son royaume éternel. N'ayons pas peur, ne nous décourageons pas, car tout est possible. Tout est possible en celui qui croit. Et Anuarite nous a montré le chemin. Par son intercession, qu'elle prie pour nous et intercède pour nous afin que nous aussi, nous soyons de véritables chrétiens, dignes du nom, en préservant notre pureté pour le royaume éternel. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur et avance, car le Seigneur te dit à l'oreille, je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Kobangate, Zambe Azali Boso. Oui, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur, n'ayons pas peur, n'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Eh bien, chers frères et sœurs, vos commentaires et autres inquiétudes seront les bienvenus. Veillez bien aimer la page et partager afin que tous puissent connaître l'histoire de cette jeune fille vaillante, elle qui est vraiment une vaillante religieuse qui a donné sa vie en vue de sa pureté, et qu'elle nous excuse et que nous soyons capables nous aussi d'être à son image. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.